Gloops, gloops, gloops. Oh bah j'ai même pas mis le lancement, rien du tout. Allez. Zazévé. Alors du coup aujourd'hui on va tenter de terminer ce jeu qui n'a pas de fin. Louliloul. Allez-y, Badi. Tu m'as l'air songeur, ramène Utep. Ouais, pardon, ça me fait super bizarre de revoir ces dunes après tout ce temps. Tu peux me comprendre, toi, non? Ouais, je crois l'immortalité a ses inconvénients de voir tant de choses changer, se bouleverser au fil des âges. J'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder le monde évoluer. Vraiment? Depuis combien de temps n'es-tu pas sorti de ta tombe? Bah, depuis mon décès. Ça sert à ça un tombeau, non? Je me suis pas amusée à faire construire que des dalles. C'est ouf, tu profites tranquille de ta mort et brusquement on tombe dessus et alors que t'avais fait un gigantesque donjon où tu pouvais te balader, on te met dans une boîte. Et quand t'en sors, tu découvres que le monde n'est plus du tout le même. Coucou Sky, comment va? J'imagine que le contraste doit être douloureux. T'as même pas idée. Tiens, juste là pour exemple, je connaissais une taverne au top. J'aurais adoré t'inviter à y boire un verre. J'aurais adoré accepter. La mort n'est pas de tout repos, hein. Repose en paix, qu'il disait. Coucou Tara! S'installe en mode pépère. Installe-toi. Comment va la Belgique? Bien, bien. Ah, félicitations! C'est bien, c'est une bonne nouvelle! Bravo! Oh, je suis contente pour toi. Franchement, j'ai bien fait de choisir celui-là et pas le précédent. Je gagne plus pour travailler 2 heures de moins par semaine dans le domaine que j'aime. Ah bah écoute, effectivement, dit comme ça, il n'y a pas fatal. Putain, ils sont tous silence les couillons. Eh ben écoute, oui, ça va. Ça va, ça va. Je vais bientôt repartir dans des recherches d'emploi. Et puis voilà. Putain, mais il est énorme ce donjon.
Chacun son tour, comme dirait l'autre. Oh mais alors, il y a combien d'Even dans ce donjon, il m'a bouillible. Non mais... Please. Ah bah quand même. Ok, il y a probablement un levier ou une saloperie comme ça. Coucou Ben Duru, comment vas-tu? Et coucou Info. Ça, au moins, j'aurai de l'argent et donc je pourrais peut-être une fois venir à une IRL. Oh my gosh! Ah, j'attends de voir ça. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein? Ça va et toi, Info? Bah, ça va très bien. Ça va très très bien. Je tente de finir un jeu qui n'a pas de fin. Bientôt la fin des cours. C'est ça, saleté de Belge. Ils sont partout. Tu as dit que c'était la fin. Ah bah oui, bah j'espère que c'est la fin. I hope. I think. T'as été contaminé. Tu as été contaminé par le belgisme. Non, pas toi, Tara. Pas toi. Tu étais le meilleur d'entre nous. Oui, non, là, je pense qu'on a bientôt fini. I speak English very well. Ok. Very, very, very well. Non. Après, il manque des vaches espagnoles. Putain, j'avoue. La honte, quoi. La honte. Et j'étais sûre de mon coup, en plus, hein. Ah, la merde. Il y a eu un clip? Non. Il y a pas eu de clip de ça. Je ne crois pas, j'espère pas. Je ne crois pas l'avoir vu. Pourquoi crois-tu que je me suis fait ban et que j'ai râlé à cause de... Ah merde! Ah putain! Ah! Scheiße! D'accord. Ah ici! Très bien. Ah, c'est lui que j'aurais dû focus par contre. Ah! Ich bin... Ouais. J'ai encore redonné le bâton pour me faire rebattre. Mais vraiment, j'étais sûre de moi, hein. Le I speak English without a cow. A Spanish cow. Je crois que c'était un truc comme ça.
Quelle honte. Quelle honte, ce niveau d'anglais. Bien trop élevé. Himbrevable. Vous êtes sûr qu'il soit pas perdu? Oh merde. Ok, bon, j'irai me foutre de ma gueule après. Merci info, c'est chanty. C'est chanty. Nom de Dieu. Oui, c'est sûr, ce serait trop dommage que ça passe à l'as. Beaucoup trop dommage. Bon, où qu'il est, celui avec la clé, là? I need a clé. Mais t'es obligé de rigoler, enfin, tu t'es obligé de rigoler, quoi. Je m'en pas. Mon Dieu. J'ai honte. I have honte à te moi-même. Patate. Mais non, mais alors, que je justifie ça, j'aime beaucoup les Brigitte. Et elles ont une chanson où elles speak l'anglais quasiment aussi bien que moi. Et dedans, elles disent en anglais qu'elles parlent anglais comme une vache espagnole. Et je sais pas pourquoi, voilà, quand moi, voilà, je pensais qu'elles disaient without a Spanish cow. Alors, ça doit pas être without. Et mais je sais plus du tout ce qu'elles disent du coup parce que voilà dans ma tête c'était without Under the moon drinks of Hollywood and Memphis and Johnny and Memphis and Johnny be good. Voilà. J'adore les Brigitte. Osez donc tâter de ma lame, mangeons du mal. Cette guerrière a l'air en difficulté. Il serait peut-être de bonne aloi de l'aider. Je ne sais pas. Si elle est enterrée toute seule, elle se doit d'en assumer les conséquences. C'est vrai, quoi. Est-ce que quelqu'un nous a aidés, nous? Moi, je dis qu'elle se débrouille. Mais mec, ça se fait pas de laisser une demoiselle dans la mouise comme ça. On ne la connaît pas, peut-être est-ce une scélérate sans honneur. Dilemme, je propose qu'on s'installe, qu'on en discute et qu'on vote. Si je vous dérange, dites-le. Dans le cas contraire, auriez-vous la courtoisie de me sortir de ce pétrin? Cordialement, merci. On n'a pas le temps de voter. Fasciste. Ouais, j'aime bien les Brigitte. Je les trouve cool. En plus, elles ont un petit look. Elles sont trop cool. C'est pas un Renoir, c'est une momie, ma vie. C'est une momie des Tessie. Enfin, peut-être que c'est une momie Renoir, cela dit, on sait pas, hein, mais. C'est possible aussi. Dring, dring, la cloche sonne et les élèves s'en vont d'ici. Ça y est, t'as fini? Tu te cassasses? Tu es libéré, délivré. C'est le week-end, ouais. Des bisous infos à ta tailleur.
Rentre bien. Par la lumière, je crois que je vous suis redevable. Je me nomme Elvire, je suis une croisée de l'ordre de la justice. Votre aide fut précieuse dans cette bataille. Comment pourrais-je vous remercier? Bah voyons, de rien, c'est bien normal. Pas d'accord! Qu'est-ce qui vous a amené à vous aventurer seul dans ce donjon? Je suis venu purifier ce désert du mal qui l'a envoyé. Envoyé, putain, qui l'a envahi. J'ai vu le jour dans une tribu nomade et voir mes belles dunes perverties par la corruption laisse mon cœur lourd. C'est pourquoi j'ai intégré les rangs du temple de la lumière et entrepris une croisée contre le dieu des donjons. Le dieu des donjons? Je pense que tu possèdes des informations capitales. Joins-toi à nous, tu nous raconteras tout ça. Allez, Elvire! C'est ça. Le mal voit des déserts. C'est le désert du mal. The Bad Desert. Alors, qu'est-ce qu'a fait Edwige? Entrepris une croisade, je pense, parce qu'entreprendre une croisée, c'est du harcèlement de rue. Alors, on lève un petit serre-tête béni. Ok, ça il. Attaque magique au corps à corps, ignorant les lignes de vue. Confère à tous les alliés un bouclier qui renvoie les dégâts. Ah! Ou un projectile de lumière pour soigner un allié. Ah! Ouais, mais c'est un détail ça. Alors. Prêtresse. Parce que ça c'est du heal direct, limite c'est plus intéressant. Confère une chance de recevoir l'amélioration armure céleste en utilisant barrière céleste. Attends, barrière céleste. Ah, ça... ah ok. Oh, ça va! Entreprenez des croisés, arrêtez de vous moquer, hein! Ça suffit maintenant. Putain, c'est Jeanne d'Arc en fait. C'est Jeanne! Augmente la durée des améliorations et réduit le coût. Mais ça, c'est énorme. Elle est extrêmement bien mieux que Rose. En vrai. True story. Très bien. Du coup, par contre, qui est-ce qu'on va mettre derrière? Est-ce qu'on la laisse derrière pour l'instant? Elle, faut qu'elle soit devant, on n'a pas le choix. Attends, déjà, faut que je récupère son stuff à elle. Hop, hop, hop. Merci Rose d'avoir servi la patrie. Eliane, il va avoir paf, paf, paf. Merci Eliane d'avoir servi la patrie. On va la mettre derrière aussi. Hein. T'as vu comment je fais exprès de pas relever ce que les conneries que tu racontes? Tu vois, hein, tu vois? J'espère que tu vois. Ah mais non. Bonus XP, on a dit. Mouais. Ça. J'aurais plus eu une grosse épée quand même, mais...
Excuse-moi alors, moi et mes conneries, on va faire grève. Oh, ça va! Oh là là, putain, pire que des bonnes femmes, on peut plus rien dire maintenant. Hein. C'est pas possible ça. Hein. Voir ce que ça donne comme ça. C'est la grève finale. Ah, du coup, il n'y a plus que lui qui peut leur foutre des malus, merde. Cette 50 nuances de bœuf. Ouais, c'est ça. Oh putain, ouais, elle est carrément fat. Ok, au niveau du heal, c'est un autre level. I'm sorry, Rose, but she's beautiful mieux. Mais pas à 50 nuances de beauf! Oh my gosh. 50 nuances de beauf, ça existe déjà. Ça s'appelle. Merde. Les tuches. C'est pas ça? Ça, si c'est pas de la beaufrie. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. C'est bien imité en tout cas. Allez, lumière. Bon, par contre, elle fait juste pas de dégâts du tout, quoi. Faut vraiment de la E-pense. La E-pense. La E-pense. Je fais la foire. Et je l'aurai. Ah merde, elle est silence! Nein! J'ai oublié de la désilencer. Nine, nine, nine. Ah. Ça, c'est vraiment de la merde. Alors, normalement, retire un effet négatif aléatoire à chaque membre. Dévoile une case aléatoire et celle adjacente du... Ok. C'est ça que je veux. Voilà. Voilà. Ah putain. Sa mère l'hippopouette.
Ah! S'il vous plaît. Merci, faut pas décéder. Très bien. On continue. Oh là là, ouais, fait vraiment des dégâts de loose par contre. Bon, en même temps, j'ai un peu up son arme de talent pour heal, donc on va pas se plaindre, hein, mais. Non, je veux le coffre. Le coffre. Merci. Évitez de respirer lorsqu'un élémentaire de sable vous attaque. Vous pourriez bien devenir incapable d'utiliser votre mana. Et oui, il n'arrête pas de nous silencer, le matin. Mais dis chiant. Oh, patate. Elle a respiré. Non. Pourquoi? Why? Annie de qui? STP la qui? Annie de qui? Cool. Cool. Et bonsoir, monsieur Nounours. Comment allez-vous donc?
Eh bien, ça va très bien. Ça va très très bien. Ah! Un portail. Ah! Une clé. Oh merde. Ah bah elle est là. Lol. Ok. J'ai une nouvelle recrue. Du coup, j'ai viré Rose. Elle fumait trop de trucs chelous. Non, il est là le coffre. Reviens, Jacqueline. Ah. Et Chucky Pudor. Il ne me fait pas chier. Gusto va parfaitement bien. Quoi? Un tauren paladin? Mais ça va pas. C'est un gobelin fufu. Non, encore mieux, c'est un tauren fufu. Putain, j'avais toujours dit que si un jour il le faisait, ça le tauren fufu, j'arrêtais de jouer. Mais j'ai arrêté avant. Mais peut-être qu'ils le feront vraiment un jour, hein. Ce serait tellement RP. Lol. Ah ouais, le Tauren Fufu, la classe quoi. Juste la classe à Vegas. Ah, il n'y aurait pas mieux, hein. Franchement. Mais elle est bien, hein. Elle vire là. Elle est vire. Hop là, elle fait des heals qui rebondissent, mais c'est des heals immédiats. Donc c'est vachement plus intéressant que Rosie. Parce que Rosie, elle fait des heals sur la durée, ce qui est un petit peu compliqué à gérer. Vous voyez, hein. Putain, mais pourquoi ils lui en veulent? Qui c'est la fée? Allez, le coffre. Le coffre. Oh, lol. Elvire, je t'en prie, parle-nous de ce dieu des donjons. Il y a longtemps, bien avant ma naissance, ces terres virent naître les premiers donjons. Un âge d'or, on s'éclatait bien. Les motivations des constructeurs étaient louables. Ils ne désiraient que donner sépulture décente aux dépouilles des grands de ce monde ainsi qu'à leur rendre un ultime hommage. C'est vrai qu'après, on s'est un peu emballé. Tout le monde voulait y aller de son donjon perso, et bien sûr, il fallait qu'il soit plus grand, plus beau et plus sûr que ceux des voisins. S'entama alors une course effrénée à l'optimisation des donjons. Mes ancêtres oublièrent l'agriculture et le commerce pour développer les nouveaux pièges et sortilèges, mais ils allèrent trop loin. Évidemment. Au cœur du désert se dresse un gigantesque et insondable donjon. Il fut bâti afin de servir de socle d'invocation pour une entité suprême, le dieu des donjons. Mais ce que les constructeurs ignoraient alors, c'était que cette créature infâme avait ses propres motivations. Que s'est-il passé ensuite? À travers tout le pays se répandit la nouvelle de cette ultime forteresse. Tout le monde commença à être obsédé par ce dieu et
le trésor qu'ils devaient protéger. Ignorant le danger, la grande majorité des vivants partirent en exploration, aucun ne revint. La civilisation s'effondra et les quelques-uns qui ne succombèrent pas à l'appel du donjon furent condamnés à une vie de nomade à travers le désert. Je suis né dans une de ces tribus. Je crois deviner la suite. N'ayant plus aucun aventurier à se mettre sous la dent, ce dieu, sous couvert d'une entreprise anonyme, se mit à développer son entreprise, son emprise sur tous les autres donjons. Dont le mien, le fils de... chacal. Comme celui de Melinda, le pouvoir du dieu des donjons s'est étendu au monde entier. Et s'il ne s'est pas... S'il n'est pas arrêté, tout sera bientôt plus qu'un désert sans vie. Mais qu'est-ce qu'on attend alors ? Thorgrim, ta conscience serait-elle enfin réveillée ? J'ai surtout conscience qu'un zigoto pareil doit être assis sur un sacré magot. En route ! Je me disais aussi. On va se battre contre un méchant, on va se battre contre un méchant. Ah. Tant que c'est pas un il à bubule. Il met des bubules. Il met carrément des bubules, hein. Je dirais. En fait. Il met des bubules anti-magie. Et bim. L'as-tu vu, la belle bubule? L'as-tu vu, l'as-tu vu? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, je l'ai pas transformé, le con. Donc c'est pas un heal. Si. Il est multitâche. C'est un paladin, il heal, il tank, il DPS. La base. Même si cela ne vous sied guère, mon cher nounours, c'est ainsi. Je me l'offusque. Non, ne te l'offusque pas. Ce n'est pas grave. Par contre, on fait quoi ici, en fait? I don't understand. Je sais pas qu'est-ce que je suis venu foutre là. Il est où le coffre, il est là. I don't understand. Ah oui, ils sont chiants là. Thank you.
Ah, c'est chiant. Merci. Non, là, c'est pas la faim, c'est la fatigue. Mon réveil, il a sonné. Je me suis dit, allez, encore 5 minutes. Ma mère m'a réveillée en m'appelant, genre 3 heures après, quoi. Ça pique. Et j'ai encore envie de dormir. C'est un scandale. Je sais pas ce que j'ai, puis on sait comme ça en ce moment, mais. C'est ouf. Je dors, hein. Enfin, je galère à m'endormir, mais fin, là, techniquement, j'ai dormi mes 8 heures. Ça devrait être suffisant, normalement. Enfin, au moins suffisant pour pas que je sois claqué, quoi. Au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Non. Je ne sais pas où je vais. Putain, mais les derniers donjons, ils sont tellement grands. C'est un truc de fou. Oh, je suis désolée. Ah, j'ai regardé hier soir avant de dormir là ta vidéo test de Gang of Kaninoni là. Mais du coup, je comprends pas parce que quand on avait regardé pour y jouer, il disait qu'il était jouable qu'en local et c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris. Enfin, je sais pas si tu te remembers. Parce qu'on m'en avait parlé sur Twitter quand j'avais demandé si les gens ils avaient des idées pour des jeux multi. Du coup, ça m'a surprise de voir qu'il était jouable en ligne, en multi en ligne. C'était celui-ci ou un autre, je sais plus. Ah si, si, c'était celui-ci. Mais après, je sais pas, enfin je me souviens plus de la date de sortie, mais il est sorti récemment là, celui-là. C'était peut-être le 1. Je sais pas si le 2 était déjà sorti quand on a regardé. Mais c'était ce jeu-là, cette licence-là tout du moins. Ça c'est sûr. Oh non! She's dead! What the bullshit? D'accord. Ah vas-y, faut que je le chope. Il faut que je le chopasse. Oh, et c'est le up. Ah. Ah bah c'est peut-être le 1 qu'on avait regardé du coup. C'est possible. Est-ce possible? Le coffre.
coffre. Allez, espèce de nain capable. Ils sont énormes les donjons, c'est un truc de fou le nombre d'Even qu'il y a dedans maintenant. Ok. Oh lol. La luse. Genre on peut y aller comme ça? Ah, je me disais bien. C'est chelou. C'est chelou. Et paf! Non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas.
Oh, patate. Une deuxième porte? Ah putain, c'était tellement sûr. Vas-y, fais-moi ton debuff à la con là, ton saule. Oh là là, mais cette musique horrible, ça me fait tellement penser à Gladiator, j'ai envie de pleurer quoi. Ah la vache, on va mettre plus de temps à faire les derniers donjons qu'à faire toute la première zone. Si pas grave, si les jeux, si les jeux. Attends, mais mon téléphone il pète un câble, j'ai un truc qui arrête pas de se déclencher. Ah oh putain, c'est buggé. Non. Non. Je suppose qu'il est toujours là-bas. Le coffre. Oui, c'est la même config.
Bonjour. J'ai pas eu la clé. C'est nul. Je n'ai pas eu la clé. Olé! Hey, hey, it's a trap! Ah, il y en a un invisible. Merde. Ça passe. Comme papa dans maman. Non, non. Ça. Allez, on a de la chance pour une fois. Ok.
Oui, c'est vrai qu'elle ignore aussi la première ligne, elle, quand elle veut faire des dégâts. C'est peu mal en vrai, hein. En vrai, elle est peu mal. La Micolinette. Oh le. Je prends. Ça va être de la merde. Voilà. Forcément. Vachement bien son truc à lui là, Estelle Contagas. On voit tout. Ah. Ah ouais, mais je sais qu'il est là-bas. C'est nul. Oups. On sait bien, Livière, là, elle va passer au niveau 10 normalement. Allez, la clé! La clé! Cool. Et on peut se barrer. Oh oui. Alors, bah du coup, on va tout combiner. Allez, c'est parti. Toi, tu vas me trouver le coffre. Ça sniffe the end, je suis d'accord. J'adore. Paf. 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 Elle a pas le time. Paf. Et paf. Et coucou Shaggy. Ça va nickel et toi? Elle est même plus efficace que le nain, quoi, pour trouver les bulles. Du trésor. Allez, ça va blablater. Louche type. Ah, on l'a vu au début, lui. Halte! Vous n'avez aucun droit d'être ici. Rentrez chez vous. Ou sinon, vous avez fait suffisamment de dégâts et j'ai dû faire un rapport pour chaque donjon que vous avez souillé.
Avez-vous seulement idée du travail supplémentaire que vous nous avez imposé? Nous sommes arrivés au bout du chemin, mes amis. Il est temps d'en finir. Arrêtez! Vous allez me mettre au chômage. J'ai des enfants, vous savez. Pourquoi personne ne pense aux enfants? Un peu malade, sinon ça va. Sans le... Ah! Preuve que je suis fatiguée. Bah merde, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as comme maladie? Tout le monde, il est malade. Sauf moi. Enfin, en même temps, je sors pas de chez moi, donc je n'attrape rien. C'est bien aussi l'ermitage. L'ermitation. Tu t'es mal réveillée? Ah. Je comprends. Ça aurait été le moment de faire un critique, Janine. T'étais très bouillant quand tu t'es réveillé. Est-ce que tu as pris une bonne douillouche et un doliprane? Ça peut aider. À suppo et au dodo. Ah, je peux pas passer ailleurs. Du coup, tout était gonflé, mais maintenant c'est fini. Peut-être que le chauffage était allumé à fond dans ma chambre. Ah, d'accord. Bon, on va encore dire que voilà, mais évite. J'étais chaud bouillant quand je me suis réveillée et tout était gonflé, mais ça va mieux. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Mais si ça va mieux, c'est bien. Mais faut pas. T'es sensible à tout. Bah alors. Et te plains pas, toi, t'es encore jeune et innocent. Moi, ça y est, c'est bon, maintenant, quand on fait des Legos et qu'on pense à moi, on fait des Legos avec des rides. Je suis extrêmement triste. Et vexifiée. Ma femme me trouve vieille. Mais c'est à cause de lui que je vieillis. Il m'empêche de dormir correctement. Tu veux que je te donne chat qui pue? Ah bah allez. Bon là exceptionnellement il dort donc on va pas lui parler, on va pas. Mais ouais, je vous l'offre. Pour un chat qui pue acheté et un chat qui pue offert. Ouais tant pis, on va se prendre ça. Hop là. Coucou Nabibi! Comment vas-tu? Mon dieu, un Nabibi, ici! Ça fait longtemps! Pour un chat qui puis acheter, un chat qui puis offert, ouais.
Alors, tu t'en sors avec ton projet Nabi RPG? Bah ça va, sauf qu'apparemment je suis presque vieille, donc je suis triste. Je me sens mal. Il est où le coffre? Mais y a rien ici en vrai. Presque vieille, ça va. Disons que c'est simplement pour donner du peps à l'univers. Oh bah oui, enfin bah ça, je m'inquiète pas du peps s'il en a l'univers de Nabibi avec tout ce que tu fais. C'est super cool. Et oui, presque vieille. Parce que figure-toi que Jink, elle a voulu. Alors je sais pas où elle était, mais elle a voulu nous représenter tous en Lego. Et que voilà que les mecs ils sont barbus, qu'ils ont des casquettes, des bonnets, pas de problème, tu vois. Sauf que pour différencier Aileen et moi, et bah Aileen, elle a une petite coupe, voilà, avec des petites lunettes et tout. Et moi déjà je suis brune, j'ai un chignon avec une frange, mais j'ai des putains de rides ici. Et je lui ai dit, je fais mais pourquoi j'ai des rides? Elle m'a dit bah parce que toi t'es entre les deux, t'es, enfin voilà. Je dis ah, je suis entre jeune et vieille, je suis presque vieille. Moi, voilà, on me représente avec des rides maintenant. Je suis dans la vexitude absolue. Mais genre, là, tu vois. Genre, là. Là, je... Ouais, ça reste qu'une représentation, mais je sais pas, avant, quand on essayait de me représenter, on dessinait une espèce de hippie avec un rideau devant la tronche, et puis voilà. Je suis mi-vieille, mi-mûre, mais c'est horrible. Je suis à la limite de la date de péremption. Je ne l'ai pas encore dépassée, mais c'est limite limite, vous voyez. C'est pas. C'est horrible. Horrible. Je me sens très mal dans mon moi. Je suis très triste. Voilà. Avant, ce qui me caractérisait, c'était les couleurs, les chats, les fleurs. Truc comme ça, maintenant, c'est les petites rides. Alors que j'en ai pas en vrai, hein. Ni. J'ai pas de rides. Putain, à 17 ans et demi, si tu te tapes des rides, merde, quoi. Je suis dans la choquance. Je vais aller m'acheter une crème anti-rides, tu vas voir. La seule ride que j'ai, c'est celle sur laquelle je m'assois. Ça fait des années que je dis ça. Personne ne le prend en considération. Je suis loutrée. Mais non, K.O., t'es adorable. Par contre, le jour où elle sort Perforas comme représentation, je peux rien faire pour toi. La tristesse. Perforas, mon Dieu. Bah, le jour où on me dit que je ressemble au père fourré, ouais, je crois que je pourrais plus rien faire pour moi non plus là. Mon premier indice. Je vais me botoxer. Comment elles font là? Voilà. Bonjour. Putain, je vois ma gueule dans le retour cam, ça me fait flipper. On va arrêter tout de suite. Ouais, non, pardon, Navi. Excusez-moi. Voilà, surtout innocente. L'innocence de la jeunesse. La jeunesse.
Ma jeunesse. Ah! C'est le dieu des donjons. Nous te trouvons enfin, ton entreprise n'est plus. Et maintenant, il est temps pour toi de disparaître. Je vous attendais, aventurier, et avant de vous détruire, je me dois de vous remercier. Je... plaît-il? Oui, votre progression époustouflante a fait grand bruit partout à travers le monde. Naissent de nouveaux aventuriers voulant marcher sur vos traces et de nouveaux donjons indépendants s'élèvent de toutes parts. Maintenant que vous avez inspiré une nouvelle vague mondiale de pillage de donjons, il ne me reste plus qu'à vous supprimer et à reprendre le contrôle. Vous avez bien travaillé et... Ah, j'en ai marre! Pote, ça va? Non, ça va pas. Oh putain, mais parle normalement. On n'a pas fait tout ce chemin et je me suis pas pris toutes ces baffes pour qu'on nous serve le même ponctif du méchant qui avait tout prévu depuis le début. C'est la première fois que je comprends ce qu'il dit. Il a dû perdre la raison. Non, mais un peu de respect, je vous prie. Je suis un dieu quand même. Je m'en fiche, cette histoire est la même et je refuse qu'elle finisse comme ça. Et la mienne, et je refuse qu'elle finisse comme ça. On va vous pulvérisationner la tête. À l'attaque! Ah, j'ai pas dit jeune, seulement innocente. Ah oui, très bien. Gros bisous, Nabibi. Merci d'être passé. Bon Nabibi RPG. Oh lol! Oh, c'est Anubis derrière son bureau, quoi. Ah, très bien. Il invoque des gens. Ok. J'aurais peut-être dû me recharger en mana. Oh, le con. Oh, mais c'est extrêmement chiant, c'est ce que tu fais, monsieur. Du coup. Et moi, c'est juste lui que je veux pas garder. Lui et le vomisseur, ça, je m'en fous. Scorpion s'en tape. Oh non, il m'a envoyé une feuille de papier. Oh là là, comme on est en train de défoncer Dieu. Le dieu des dandons. Putain, mais le truc est niveau 5. C'est peut-être pour ça qu'il pexe plus, qu'il y a un truc... Allez. Bisous. Comment il était tout pourri? C'était le boss de fin du jeu? Je suis choquée. Tu es vaincu. Je suis un dieu, vous ne pouvez pas me vaincre. Je réapparaîtrai. Et ce, pour l'éternité. Ah. De surcroît, le dieu des donjons disparaît dans une explosion de lumière. Vous m'en faites vraiment qu'à votre tête, n'est-ce pas? Où il est allé? Réponds-nous. Et coucou, Super. Comment vas-tu? Il est retourné se ressourcer au cœur du donjon qui l'a vu naître. Hey, attends, c'est louche. Depuis quand tu nous aides, toi? Depuis qu'il a refusé de me payer mes heures supplémentaires. Allez-y, débarrassez-vous de lui. J'en ai plus rien à faire. Ne perdons pas notre temps. On y va. Ah, bonjour la souris. Ça va et toi? Oh, dis donc. My beautiful souris. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Alors, Micheline... Et puis ça y est, elle est niveau 10, on va lui mettre du vrai stuff. Ouais, ça va. Ça farte. Pourquoi j'ai acheté une épée? On ne sait pas.
et l'on a dit qu'on la gardait. Elle était bien. Elle est bien, 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 bien. Petite amulette qui donne de la life. Bon, je sais pas qui je vais la filer, mais... Allez! Trop bien ce truc. Ah, c'est tout. Lol. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. C'est gentil, t'inquiète. C'est... ça devrait se régler. Je vais encore rester un petit mois à vous embêter, je pense. Coulatra! T'inquiète, y a pas de souci. Comment vas-tu? Ça va nickel, merci. Ça y est, on arrive à la fin du bout de la fin. Normalement. Normalement. Ah oui, parce que on a tué le dieu des donjons, qui finalement est pas mort, et là on va essayer de le tuer. Enfin, de le tuer. Voilà, l'affrontement final, le vrai. Donc je pense que ça va être là. On va voir si on peut se crafter des trucs. Est-ce qu'on peut se crafter des trucs? Des petits trucs, des petits trucs. Ces petites bottes, moi. Oh putain, amulette maudite. Elle déchire en magie.
En même temps, je me fais chier à craft des trucs. Je sais même pas si c'est vraiment utile parce que... Voilà, on va faire l'affrontement final après. T'as commencé Kingdom Hearts, mais pour l'instant, tu crois que tu n'accroches pas trop. Oh bah non. T'as commencé par... ah bah oui, tu m'as dit que t'avais pris les anciens. Enfin, le reboot. Oh merde, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, I remember. Bon, allez, c'est l'heure de l'affrontement final. Oh, c'est quoi ça? Can do it. Yes. Attends, parce qu'elle a un truc qui dévoile juste plein de trucs dans le donjon, c'est hyper cool. Et c'est quoi ça aussi? On va un peu utiliser les capacités, voyez. Tant qu'à faire, on va dévoiler le donjon quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle fait des trucs intéressants. Voilà. Intéressant. Ok, un TP. Ok. On apprécie. Et comment ce World of Pokémon? Ça, tu vas accrocher. Tu vas accrocher et tu ne vas plus décrocher. Ah, moi j'ai bien aimé le concept de Kingdom Hearts. La BO est jolie. Le mix FF Disney, tout ça, je trouvais que ça matchait bien. Voilà, je crois qu'on a tout. C'est parti! Nous y voilà, le donjon de l'invocation. Comment faire pour stopper le dieu des donjons? Les écrits du temple racontent que quatre vases canopées le maintiennent dans notre plan. Il faut les détruire si nous voulons avoir une chance contre lui. On va casser des poteries? Tu parles d'une aventure épique? Technicien, t'as vu ce qui se passe sans le roussi? Tu l'as dit. Toi aussi t'as entendu le louche type avait fondé un syndicat? Enfin, quelqu'un qui prend notre défense. Moi, je vais le rejoindre. Il y en a marre de se faire exploiter. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ah, vous voilà? On vous attendait pour vous dire qu'on vous soutient. Ouais, c'était un honneur d'allumer toutes les torches pour vous. Et ne vous inquiétez pas, on va allumer toutes les autres. On compte sur vous, les gars. Merci. Le problème, c'est que dès le début, il y a Waka. Ah, putain, mais... J'en peux plus.
Qu'est-ce que... Voilà. Hein? Camoulox. Ok, tu le revois plus après. C'est que de la mise en scène. Oh, le mec relou, quoi. Tu l'as duellé et défoncé, le pauvre, effectivement. T'as choisi quoi, la voie de l'épée, de la magie ou du bouclier? Sinon, toutes les personnes que je connais qu'on joue au jeu, on prend tous la même chose. L'épée? Ouais, bon, c'est ça. C'est ça. En plus, ouais, j'allais dire, toi, t'es déjà à la base, t'es pas Disney. Bon, ce que je trouve absolument effroyable et atterrant, hein, mais ça aide peut-être pas. Quoi, c'est le monde d'Alice, je crois, le premier. Ah, quoique, avant, t'as peut-être la ville. Je suis rendue au chemin de traverse, ouais, c'est ça. Et je fais un cache-cache avec Dingo et Donald. Allez! Mais ils sont trop bien, Dingo et Donald! Après, tu vas te balader dans les mondes de Disney, mais tu t'en bats les couilles parce que tu n'aimes pas Disney. Et que je rappelle encore une fois que c'est effroyable et atterrant. J'aime casser les vases! Les jeux Amnesia sont gratuits sur Steam. Ouais, mais les jeux Amnesia, c'est des jeux qui font peur. Je vous les laisse, même gratuits. Mais c'est gentil, support. Merci beaucoup. Bah, Amnesia, c'est celui que t'as fait à Halloween, non? Dans le château chelou? Avec le monstre dans l'eau? Ouais, bah c'est un jeu d'horreur, hein, normalement. Même la typographie... La typo du titre du jeu, déjà, il y a marqué, c'est rien qu'à la typo, tu sais que c'est un truc qui fait peur. C'est marqué en typo qui fait peur. Je te ferai dire. Maintenant. Okay. Là-bas, on n'a rien. On va aller voir là-bas. Voilà. Ça, je me suis fait tellement chier que je l'ai installé. Ouais, bah oui, c'est ce que tu disais, que t'étais pas super hypé par le jeu. Je me souviens quand j'ai eu le courage de passer.
Nous y sommes presque, continuons. Yes, sir. Bon, allez, on va le tenter, voilà, on n'aurait pas dû, comme d'habitude. Waouh, une bouteille de mana. On chope l'ivresse. On chope pas l'ivresse. Magnifique. C'est par là. On pète les vases, on pète la gueule du boss, on pète le jeu. Et on est content. On est content. Ah bâtard. Week-end caisse gratuite sur Tesso. Fosco ce soir jusqu'à dimanche. Ok. T'as vu les... Ok. Les caisses, elles sont... Enfin, les PO, là. Yashomarasha qui a mis un message. Elles sont à 16 balles, les 3000, au lieu de je sais pas combien. Enfin, perso, je m'en fous, je les prendrai pas, mais... Attention, fragile. Un autre vase détruit, on se rapproche du but. Inspecter, putain de merde. Ma île est à Babaloued-les-Bains. Ce soir, ce sera vers 21h. Ce soir, ce sera vers 21h parce qu'à 20h30, il y a un mec qui passe chez moi pour venir acheter mes chaises de bar. Donc, dès qu'il est parti, bah, j'arrive. Voilà. J'avoue que si je pouvais les vendre, ces connasseries, et me faire un petit peu de sous, je ne dis pas non. Au pilier de bar, mais non, mais parce que j'ai mis une table bar chez moi, quoi. Il va peut-être rester. Non, reste pas. Non, reste pas. Non, 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 non. Ah, la question n'était pas assez précise. Pardon. Quel était l'intitulé de la question? Parce que moi j'ai lu ce soir à quelle heure du coup? Je pensais que tu parlais du live de ce soir. À quoi je réponds que le live de ce soir aura lieu ce soir. C'était ce soir, retour quelle heure? Et ce soir à partir de quelle heure pour Tesso Nours? Ah! Ah d'accord, c'était deux questions en une. Oula, mais des retours de quoi? De retour? Attends, parce que là, il y a un bout de la question que je ne comprends pas. Le retour de quoi? C'est de... Retour à quelle heure? C'est ce que je te disais ou ça répond pas du tout à la question du coup? Parce que là, je suis perdue. D'accord, oui, donc c'est bon, tu as bien la réponse à toutes tes questions. Très bien. Oh putain, j'avais bien compris, j'adore quand on me dit ça. Donc oui, vers 21h. On l'a perdu, la légende raconte que son esprit est dans l'espace avec Rinoa. Il tourne dans l'espace. Tu sais pas, peut-être qu'on va la voir, Rinoa. Hein. Super. Le léopard de sang. Ah oui, j'ai vu qu'ils avaient mis des nouveaux trucs, là. It's true. Je vais aller voir ce qu'ils ont mis à les nouveaux trucs de la boutique que je ne gagnerai pas.
parce que la vie est injuste. Moi, je gagne jamais rien. Je vais aller voir ce que Nours va gagner. Parce que la vie est injuste et que lui, il gagne tout. Oui, 16 euros les 3000 couronnes, je t'ai dit. Mais je vais pas le faire parce qu'après je vais avoir le seum, parce que je vais payer 20 balles pour rien avoir. Là, au moins, le seum est somme toute minime et relative, vu que bah au moins je paye. Enfin, je paye pas. Si je rush quand même, je paye pas. Je ressens une perturbation magique. La destruction de ce vase n'a pas dû faire plaisir au dieu du donjon. Mais je paye déjà pour les DLC. J'ai labo. Enfin, j'ai labo, ouais, je suis totalement abonné pour le Tesso Plus. Je suis un bon gros pigeon. Alors, on remet du mana, on remet de la vie. Si on se remet full. Allez, on est prêt. C'est parti pour le boss final. Vous êtes vraiment têtu. Vous l'a-t-on déjà dit? Tu ne peux plus reculer. Nous t'avons déjà vaincu une fois et nous renouvellerons cet exploit. Je vais vous apprendre le respect une bonne fois pour toutes. En fait, non. Je vais vous tuer, pilleur de donjons. Ah merde, j'aurais dû remettre ça aussi. Tant pis. Allez. C'est parti! Oh putain, il est plus derrière son bureau. Il était bien aussi derrière son bureau. Tiens! Ah, oh non, non, ça c'est chiant, merde. J'ai déjà plus de... Ah, génial. Ah, génial. Ils ont pop, ils m'ont... Très bien. Attends, 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 ça poisonne pas, ça, normalement. Je le vois pas, très bien. Il y a erreur, hein. Ça poisonne pas, normalement. Tu mens. Putain, patate. Bouclier! Ouais, c'est ça, c'est Anubis. Enfin, ça ressemble, hein. Putain, c'est un sac, par contre, hein. Non! Ils ont kill! Ils ont complètement killé! Oh putain, non, 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 non. Pas bienvenue à la farandole des prix. Non, 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 non. Laisse la farandole des prix où elle est. Oh putain! Ah, je l'entends. Bienvenue à la farandole des prix! Quelle horreur! Tu vas mourir, Anubis! Garde comme je te tue! Faut que je le fasse le 2 là, au fait, de la farandole des prix. Tiens! Il dit quoi le boss maintenant? Il dit quoi? Il dit quoi? Il fait quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il fait quoi? Ah! Et voilà. Oh, la belle bague. Non, c'est impossible, moi, Dieu, je ne peux pas mourir contre des... Mais qui êtes-vous en réalité? Tu l'as dit toi-même, nous sommes des pilleurs de donjons. Disparaît! Voilà, c'est terminé. On a gagné.
Nous sommes des héros. On est riches surtout. Venez, nous allons partager le magot. Et voilà, j'ai débloqué le succès. Tout a une fin. Inconnue. Depuis les mortes plaines jusqu'aux confins des terres habitées. Chacun a pu entendre la glorieuse histoire de ce groupe d'aventuriers, ces modestes mais néanmoins courageux explorateurs de donjons qui vainquirent le mal et sauvèrent le monde. Hélas, comme ce fut Bod qui retranscrivit cette histoire, personne ne put en comprendre un traître mot. Dommage. Mais comme un sage nain le fit remarquer un jour, on s'en moque! On est quand même riches! Après la bataille contre le dieu des donjons, nos héros, dont l'amitié n'était plus approuvée, reprirent leur route. De toutes parts s'élevaient de nouveaux donjons à explorer, indépendants cette fois, et de nouvelles aventures pleines de dangers et de trésors. Mais ça, c'est une autre histoire, la vôtre! La voix off s'éloigne. Quelqu'un aurait de l'eau? J'ai soif à force de parler. Oups, j'ai oublié de couper le micro. Vous êtes encore là? Du fond du cœur, merci d'avoir joué. Allez, après sa victoire sur le dieu du donjon et la liquidation judiciaire de sa société maléfique, Eliane continua d'explorer des donjons avec ses amis. Bien des années plus tard, quand l'âge et la fatigue lui imposèrent de mettre un terme à sa vie d'aventure, il retourna à son village et investit sa fortune dans le développement de nouvelles latrines autorécurrentes. Oui, parce que faut pas oublier qu'il était quand même récureur de chiottes à la base. Thorgrim n'abandonna jamais la comptabilité. Enrichi par ses aventures, il fonda la première banque réservée aux pilleurs de donjons, connue pour avoir des taux de prêt plutôt révoltants. À cet égard, il fut honoré du titre « le plus grand escroc de l'histoire ». Il fut également l'auteur de « L'art et la manière à l'usage des explorateurs de donjons », qui resta en tête des ventes 3 ans durant. Pot, fidèle à ses principes, entreprit de relater ses prestigieuses aventures sous diverses formes. Ballades, livres, contes épiques, opéras, ses œuvres sont aujourd'hui encore en cours de traduction. Il monta par la suite une pièce participative intitulée « À la recherche du nouveau ménestrel ». Les critiques ne savent pas qu'en penser. Quand la majorité de ses amis partirent à la retraite, Melinda retourna dans son donjon qu'elle entreprit de rénover. Elle y vit depuis des nuits heureuses, à inspirer la terreur sur la région. Elle se fit notamment connaître en fondant l'ONG, la Nécromancie pour tous, qui vida les cimetières et inspira une vague de panique à travers le monde entier. Trash Garrot manqua de se faire définitivement renier par son peuple quand elle fut nommée au prix Nobel du chamanisme. Heureusement, une opération chirurgicale révolutionnaire à coups de masse de guerre lui permit de la guérir de son handicap en réajustant son quotient intellectuel au niveau de ses semblables. Ok, elle est devenue complètement conne. Elle put rentrer chez elle, la tête haute et un filet de baffe coulant au coin de la bouche. Elle mena par la suite les troupes de l'Alliance orco-gobelinoïde et remporta de nombreuses et sanguinolentes victoires. Ses dernières ressources de plantes s'étant taries, Rose ne comprenait plus ni où elle était, ni ce qu'elle faisait là. Ses compagnons lui firent un résumé de des derniers événements, un récit grotesque et invraisemblable d'aventures et de dieux des donjons. Rose tenta en vain de les sensibiliser sur les dangers des plantes hallucinogènes. Prenant alors conscience de l'ampleur du problème, elle ouvra un centre d'accueil quelques années plus tard pour aider toutes les victimes de ce fléau. Aujourd'hui encore, elle en est la directrice, mais suite à un certain nombre de tests, aussi la seule patiente. Odessa retourna dans son village et ne changea rien à la politique d'immigration. Elle fit de sa patrie une superpuissance économique, culturelle et agricole qui se maintint des dizaines d'années, jusqu'à ce que les hommes du village reviennent finalement et de leurs emplettes. Ils s'étaient juste arrêtés boire un coup avec des copains dans une taverne à la lisière de la jungle et n'avaient pas vu le temps passer depuis ces 15 dernières années. Le retour au cercle du druide. Frank mena la plus importante campagne de préservation de la jungle dont les arbres étaient menacés par l'essor industriel du peuple Amazon. Il gagna finalement la lutte après avoir croisé les hommes venus des villages qui s'étaient tranquillement installés au comptoir d'une taverne. C'était une très grande taverne. Après leur avoir dit que bon, il serait peut-être temps de rentrer, là non, il fut également élu le druide le plus choupitou plein
par les lectrices de Dryad actuelle. Après la disparition du dieu des donjons, Amenhutep put enfin se poser peinard dans sa tombe. Mais son repos fut de courte durée. La région débarrassée du joug de la tyrannique entreprise des donjons, la civilisation du désert renaquit de ses cendres en faisant un boucan pas possible. Quitte à être réveillé, Amenhutep transforma son donjon en boîte de nuit et fut vite connu en tant que la momie la plus bling-bling du monde. Les tabloïds lui prêteraient également une aventure avec Melinda. Et pour finir, sa mission achevée, Elvire participa à la reconstruction de son pays. Elle sut se discerner par sa motivation sans faille ainsi que son humilité. Mais d'aucuns diront qu'elle en faisait parfois un peu trop. La légende raconte qu'elle serait toujours en train de balayer le désert. Le tavernier ne fut jamais dédommagé pour les commissions non payées d'Elian et Thorgrim ou pour le vol de son coffre. Il songe aujourd'hui à engager un nouveau vigile. Ça tombe plutôt bien vu qu'il vient de recevoir le CV d'un dieu des donjons en recherche d'emploi. Et voilà! Bah écoutez, ma foi, c'était plutôt sympa. Bon, plus long que ce que je croyais, clairement. Je pensais qu'on aurait à faire vraiment un petit jeu. Il nous aura bien tenu. Donc là, il y a la tour sans fin, qu'on ne fera pas, parce qu'elle est sans fin, n'est-ce pas, la Tra? Mais vraiment, bon petit kiff, ce petit jeu. Je suis contente qu'il soit fini, je vais pas mentir, parce que ouais, ça commence à être un peu long. Je m'attendais pas à voilà, un jeu si prenant, avec autant d'heures de jeu. Mais vraiment très cool. Et puis avec plein d'humour sur la vie des personnages, donc vraiment plutôt sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce petit jeu vous aura plu. Il y a eu du farm d'XP aussi, ouais. Oh bah c'est pour ça, enfin, tout le début, je l'ai fait à 100%. J'ai arrêté à la fin de l'avant-dernière zone. Mais bon, au final, vu comment on a ruiné le dernier boss, je me dis que niveau 10, c'était largement suffisant, hein, en fait. Donc bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà qui conclut notre aventure sur Dungeon Rusher. Donc merci encore à vous d'avoir suivi cette aventure et merci aussi aux devs qui m'ont envoyé le jeu il y a plusieurs mois vu que c'est un jeu qu'on avait testé initialement au début du catalogue indé et qui m'ont envoyé aussi un DLC pour pouvoir transformer mes personnages en Rockstar. Ah, d'ailleurs, j'ai pas regardé elle au niveau des costumes. Bah voilà, on pouvait la mettre en combattante de l'ombre comme ça. Et lui non plus, j'avais pas regardé. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire Oh, ça aurait été dommage. Il a une bonne gueule comme ça. On dirait une vieille, un vieux squelette dégueu. Voilà, il y a d'autres, DLC pour avoir d'autres stuff différents pour le coup. Mais vraiment, ouais, sympathique ce petit jeu. Voilou qui conclut cette aventure. Zou.